Je te dis que la coupe est à nous autres, ou bien je m'appelle pas Pierre Lambert. Ouais, ben vous êtes mieux de la gagner, sinon je vais perdre mon chum. Inquiète-toi pas, Ginette. Nous autres, les Lambert, on a la tête dure. Ça, ouais. Tu peux le dire. J'ai faim, moi. Encore 4 heures à attendre que la partie commence. C'est long, hein, sacrement. Et que je suis nerveux. J'ai pas mangé de la journée. Puis Sigouin m'a dit que les dépistages nationales de Québec seraient là ce soir. Ils vont en avoir pour leur argent. Les comètes vont filer bas ce soir. La dernière partie, ils l'auront pas celle-là. Ouais, ben moi, je veux boire une gorgée de champagne dans la coupe. Moi aussi. Faites-vous-en pas, ils vont en avoir pour tout le monde. Lui, s'il arrête pas de me regarder, je mets ma main en face. Qu'essaye donc de nous planter, lui, à soir. Ben, venez-vous-en, on va aller manger ailleurs. On a le droit de manger autant qu'eux autres. Reste faire, Pierre. On va s'en occuper sur la glace à soir, le gros sale. Marussia, bien que je te présente Marussia Lambert, la mère de Pierre, Mac Watson, Jerry Langlois, deux dépistants. Mon fils Hugo, ma fille Suzy et Ginette, l'ami de Pierre. Vous vous rappelez de Guy Lambert? C'était un coach dans le junior à Trois-Rivières. Il est mort dans un accident d'auto il y a 5 ou 6 ans. 7 en septembre. Время то бежит быстро, а гладит надо в будущее. Ouais. Le temps passe vite, mais il faut toujours aller de l'avant. C'est quoi ça? Elle est d'origine française, mais ses parents étaient russes. Une mère russe, un père canadien, ça fait tout un bridage. Je vous préviens, hein? Quand viendra le temps de signer Lambert,
Méfiez-vous du niette de sa mère. Oh, ben, à choisir entre vous deux, je préfère faire affaire avec elle. Vous ne viendrez pas à l'idée de traiter votre principal intéressé. Vous êtes sûr d'une chose, Marussia. Ton Pierre, c'est celui de mes clients dont je m'occupe avec le plus de soin. Maman, viens-tu? Si on va avoir le temps avant que ça recommence. S'il compte, il va avoir 1000 piastres. C'est Pierre qui me l'a dit. C'est rien, ça. S'il gagne, à ce moment, tout le monde va vouloir l'avoir. Vous avez bien de la chance. Et vous avez travaillé fort, tous les deux. J'espère que vous saurez en profiter. Je suis encore petit. Et nous voilà de retour, mesdames, messieurs. Avant la prolongation, je vous rappelle la marque. Comets de Prince Albert 2, Dragon de Trois-Rivières 2. Les deux buts des Comets marqués par Peter Nelson et les buts du Trois-Rivières par les deux inséparables vedettes, Denis Mercure et Pierre Lambert. Avant de retourner à ce septième match de la finale, quelques mots en compagnie de la vedette, le joueur étoile du National de Québec, un joueur qui n'a vraiment plus besoin de présentation, Marc Gagnon. Marc Gagnon, après 12 ans avec le prestigieux National, est-ce qu'on se souvient Maman, de... Maman, viens voir la télévision. Ce trouvait, même c'est Marc Gagnon, viens voir. Mais je pense que ces gars-là sont en train d'apprendre ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, nous autres, à Québec, on s'est fait éliminer en finale, mais eux autres, ils ont encore une chance de gagner. Mais, on va dire comme on dit, ça prend du nerf, puis un but, c'est sûr. Qui va gagner? Et qui va marquer le but? Ah, Trois-Rivières, je pense. Des gars comme Lambert puis Mercure, là. On a eu besoin d'eux autres à la fin de notre saison, ça c'est sûr.
de la main dessus. Ça sera pas facile. Arrange-toi pour que le National le repêche. Moi, je m'occupe du reste. Now the moment has come. Take your place in the sun. Give your all and take a chance on you. The one you're looking for to give you so much more is the one that lives inside of you. Now the moment has come. Take your place in the sun. Give your all and take a chance on you. The one you're looking for to give you so much more is the one that lives inside of you. Si j'étais pas ta mère, je crois que je tomberais amoureuse de toi. C'est pas défendu. Aïe, garde ça pour Ginette. Salut, Pierre. Salut, Luc. Quelque chose qui va pas? Ben, c'est pas parce que je suis rendu à Montréal que j'ai oublié le monde de toi hier. Surtout ma mère. Si tu savais les choses gentilles qu'il vient de me dire de toi. Je sais que je vais être repêché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où puis combien. Où? Tu vas le savoir demain. Combien, ça, c'est une autre paire de manches. Hey, grouille-toi. La camionnette de Charland vient de passer. Toujours bien pas leur dire qu'on faisait une livraison ici dedans. On n'a pas le temps de m'embrasser, Denis. J'ai pas envie de perdre ma job, moi, juste parce que votre garçon est parti pour la gloire. Toi aussi, Denis, t'achèves de faire de la livraison. Quand je vous regarde tous les deux, il me semble que je vieillis moins vite. Hey, hey, les vedettes! En allez-vous signer vos contrats? Les deux-là, Lambert puis Mercure m'impressionnent pas mal. Ça fait combien d'années que je vous le dis? Va falloir se décider. Mac? They're not tough enough. We've got Lucky Thompson and Prince Albert. This kid is a killer. Our little guys will be untouchable with him around. Ouais. Mais, es-tu capable de jouer au hockey aussi? Joke. Lambert est plus vite, mais l'autre, Mercure, est plus solide, plus gros. Bon, ben, c'est pas compliqué. On va les regarder une autre fois. Ils sont toujours ensemble sur la patinoire. C'est demain, repêcheur. Quel club tu vas jouer? Le National, voyons hey, donc. Hey, hey, hey! Je vais lâcher ma soeur, jouer au hockey. Fais que toi là, ta blonde. Ginette! Tu me coûtes assez cher de voyage. Faudrait bien dire quelque chose. Lambert, Mercure, sont fameux ensemble. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de les avoir, toi et deux? Oui, mais si je peux empêcher rien qu'un. Jacques, un centre comme Lambert pour le Gagnon, ça le piquerait. Oui, un ailier comme Mercure. Fer rouge, un fest, il me semble qu'il pourrait durer un petit peu plus, tu sais. Garçon. T'as eu ton type? Ah ouais, je l'ai eu. Bye. Bye. Hugo, viens nous aider. Denis, Suzy, bleu. Venez. Hey! Ouais, j'ai gagné. Ah, enfin. C'est vrai que tu vas gagner 100 000 par année, Pierre? Elles sont belles, tes brochettes. S'ils sont aussi bonnes que d'habitude. C'est merveilleux ce qui vous arrive, les enfants. Pas savoir où on s'en va. Vous allez enfin pouvoir réaliser le rêve de votre vie. Toi aussi, Ginette. Avec mon père qui est malade, j'aime autant pas trop m'éloigner. Pas tout de suite, en tout cas. Moi, si Denis veut m'emmener, je suis prête à aller au bout du monde. Los Angeles.
Ouais, une minute, là. J'ai pas envie d'aller jouer pour des pas bons. Oh, j'y pense. J'avais promis à Marie-Lou d'aller l'aider à peinturer l'appartement. Oh, quel dommage. Si je l'avais su plus tôt, tu aurais pu partir avec Luc. Toi, maman, m'aide pas les affaires et la famille. Luc, c'est mon agent. C'est pas un chauffeur de taxi. Oh. Maman, je peux-tu y aller? Je vais aider Suzy à peinturer. Non, toi, je te garde avec moi. Qu'est-ce qui te fait la cuisine dans cette maison, sinon? T'es mieux de t'habituer tout de suite. Tout le monde va s'en aller. Même Denis m'abandonne. Tu commences à faire partie de la famille, tu sais. Ça ferait drôle, jouer contre Pierre. La grande ligue. T'y penses-tu, mon Denis? Demain, on va monter tous les deux dans la grande ligue! Ah! Ah! On voit ça! Zdarovia! Zdarovia! On va se retrouver tous les deux ici, à Québec. Denis Mercure, puis le National de Québec. Ça va ensemble? Gagnons le Z Télévision. On va juste marcher un peu, si on change d'idée. Ça veut dire qu'on vous reverra pas à toi. Bye! Je danserai quand je saurai où ce que je m'en vais! Tu me laisseras pas tomber, hein, Pierre? Voyons donc, Ginette. Sigouin l'a dit, j'ai toutes les chances d'être repêché à Québec, ben à Montréal. Non, c'est pas ça, mais... Les voyages, les avions, les hôtels... Ça change rien, ça, Ginette. Même quand je serai devenue une vedette, je vais toujours rester le petit Pierre à sa petite Ginette. C'est demain le repêchage. Oublie, tu vas comprendre. Tu veux m'attacher? Non. Mais si je suis plus capable de tuer, je pourrais toujours m'accrocher après. Rebonjour, mesdames, messieurs. Je vous parle en direct de Toronto, où se tient la séance de repêchage annuelle de la Ligue nationale de hockey. Pour les partisans du National de Québec, le moment de vérité approche. Qui sera le premier choix? Nous en sommes à la 7e sélection de la première ronde. C'est le choix du Hartford, échangé au National. Ça va te sortir. Le National a demandé 3 minutes de réflexion. Ils sont complètement bouchés, Pierre, s'ils nous prennent. Tiens, voici que Gilles Guilbeault fait signe au président qu'il est prêt. Il se penche vers le microphone. Quel sera le premier choix du National? Le National de Québec choisit des Dragons de Trois-Rivières. Pierre Lambert. Sigouin m'avait dit, c'est pas Québec-Chicago, c'est sûr. Nous achevons cette première ronde. Chicago choisit des Pete's de Peterborough, Sam Johnson. Bande d'hypocrites! Entends parler que vous voulez tous m'avoir. Laisse-les faire, tu vas peut-être bien finir avec le National, ils ont encore leur propre choix. Tu fous, toi. Nous allons maintenant connaître la deuxième sélection du National dans cette première ronde. Écoutons Gilles Guilbeault. Le National de Québec choisit des Dragons de Trois-Rivières. Denis Mercure. Jean-Lambert, passe à Mercure! Mercure, ça va! C'est long, Jacques-Lotus! J'ai échappé à deux contre-moi! Jean-Lambert, passe en jaune là-dedans! Mercure, le suit direct! C'est la passe de Mercure à l'envers qui s'est fait le job de Mercure! L'envers, il lance! Il court! Je vais t'amener avec moi partout.
Toronto. Boston. Los Angeles. À condition que je trouve une bonne gérante pour ma boutique. Tes boutiques. Une à Paris. Une à New York. Une à Trois-Rivières. Une à Shawinigan. Il va voir que Ginette Les Tourneaux et Pierre Lambert. Descendez. Ou un instant. Parce que le numéro de vos vestiaires est inscrit là-dessus. Hé, hey, pas vous autres. Il n'y a pas de passe. Ben, fais quelque chose. Allez pas venir ici toute la journée. Si. Aujourd'hui, on va s'en reprendre. Un autre poil. Ouais, ben mon Denis, c'est ici que ça commence. Ça finit, tu veux dire. T'es dans le vestiaire numéro 3. Moi, je suis dans le 2. Oh, moi, je vais être Marc Gagnon! Ben moi, j'ai Steve Bradshaw pis Gary Bennett dans les buts. Vous avez pas de chance. En forme, mon Robert, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Mais tes 20 ans, tu vas en avoir besoin, mon mec. Ah, moi, ça m'excite, les premiers jours du camp. Les petits jeunes là, ça courait partout sur la glace. C'est la maternelle. Ouais, ils courent après toi. Rien que toi, vois de plus proche, mec. Ah ouais? T'es le bon Dieu pour eux autres, hein? Ouais, mais on s'apercevra que le bon Dieu est encore capable de faire des miracles. Tu es un qui aura du tape? Un beau dressant. On manquera pas de tape cette année. Penses-tu? OK, les boys, la glace est prête. Let's go, les boys. On est en prêt pour une autre saison. The one you're looking for to give you so much more is the one that lives inside of you. Now the moment has come. Take your place in the sun. Give your all and take your chance on you. The one you're looking for to give you so much. Beau pour la classe ouvrière, hein? Oh, toi, lui, commence pas l'année. Sur ces 10 recrues-là, s'il en reste un, ça va être beau. Ouais, tout le monde a le droit de rêver.
Ouais, donne-les ton show. Tu n'auras pas dans ce ligue-là longtemps si tu gardes pas tes taux. Oui, oui, oui! Go! Ah, Pierre. Puis, comment ça a été? Dur. C'est comme quand tu rêves et que tu te réveilles le lendemain à moitié mort d'avoir couru toute la nuit. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait après que le vieux t'a mis dehors? Je suis venue ici. J'ai fait du ménage. C'est pas bien grand, mais... Après, je t'ai attendue. Tu m'attendras pas longtemps! Je pense que je serais même pas capable. Laisse-moi faire. Hier, vous avez eu l'air fou, les gars. Disons que vous étiez nerveux. Première fois dans la grande bâtisse, première fois que vous rencontrez ces grosses vedettes-là. Bon, ben oubliez ça. Parce que votre job, c'est ces grosses vedettes-là que vous allez l'enlever. C'est pas parce que vous les voyez à TV depuis 10 ans qu'ils sont meilleurs que vous autres. On va mettre une chose au clair. Un club de Ligue majeure, ça gagne pas que des prières, ni que des parties de fesses. Avec vos blondes, ça aussi, oubliez ça pour un bout de temps. Faites une vingtaine ici dedans. M'en garder un. Peut-être deux. Vendredi, on fait la première coupure. Il reste 4 jours, m'impressionner. Caractère là-dedans. Lambert? I'm taking a long, hard look. Tu vas jouer mieux parce que tu te punis. On appelle ça de l'entraînement. On dirait que t'es pas content de faire le camp du national. Laisse-moi donc tranquille. Salut, Jeanette. On vient vous chercher pour aller prendre un verre.
c'est toi, la Marie-Lou à Suzy, hein? Oui, la Céline. Salut. Michel Mathieu, l'autre gardien du National. Salut. Ginette Letourneau, la blonde de ce gars-là. Marie-Lou. 2646. 2647. Sérieux, hein? Oh. Hey, t'as peur de pas être capable d'en faire autant que moi, hein? On s'en va manger. Venez-vous ou non? Non. Écoute, si je fais 10 pompes avec toi, tu viendras avec nous, d'accord? Des quoi? Des pompes. C'est quoi des pompes? Ah ben, c'est ça. Ah, mais c'est pas des pompes, c'est des push-ups. On appelle ça des push-ups. Ah, non, nous, on dit des pompes. Mais nous, on dit des push-ups. Non, c'est des pompes. On dit des push-ups. Des pompes. Tu viens manger, oui ou non? J'ai dit non. Ben, moi, j'y vais. Viens-t'en, Marie-Lou. Super, ton. Attendez une seconde. Prends soin de toi. Oh! OK, Lambert. C'est un contrat de 3 ans, 30, 35, 40, s'il joue dans les mineurs, 90, 105, 120, s'il fait le national. Es-tu malade, Gilles Guilbeault? Tu parlais pas comme ça. Au mois de juin, avant le repêchage, tu veux rire de moi ou quoi? Luc, t'as oublié le bonus de signature, 15 000 qu'on avait dit. Absolument pas. C'était 20 000 à la signature du contrat, 30 000 s'il est choisi la recrue de l'année et plein salaire s'il joue au moins 30 parties dans la Grande Ligue. 41. 30 parties, Gilles, là-dessus, on bouge pas. Luc, je suis pas sans savoir que ta commission d'agent va baisser avec Lambert. Mais je te fais confiance. Tu vas te reprendre avec Gagnon. Je voulais justement t'en parler. Gagnon, c'est la dernière année de son contrat. Il serait peut-être temps. Quand tu veux. Tu vois, Marc et moi, on a de gros projets. Des contrats de publicité, des investissements. Arrête. Tu vas me faire broyer. Mais tu sais comment c'est. Plus tu brasses d'argent, plus ça attire les vautours de l'impôt. Ça y est, je brouille. Admettons qu'on signe pour 3 ans et que la moitié du salaire total soit versé la première année pour éponger l'impôt. Ça pourra toujours se faire. J'ai ta parole. Comme d'habitude. Maintenant, Luc, c'est à ton tour de te montrer compréhensif. Lambert. Veux-tu que je te redonne les chiffres? Oh, tu commences bien t'assieds. Ouais. Bonne recrue. Quand tu l'es comme ça, tu vas te faire initier avant longtemps. C'est top. Pas gêné, j'en ai vu d'autres. Linda Hébert, la seule chroniqueuse de hockey au Canada. Pierre Lambert, joueur de hockey. Je sais pas encore où. C'est dur, hein? En tout cas, je peux vous garantir, vous allez être la première à savoir. C'est moi qui vais te l'annoncer. Qu'est-ce que c'est, une médaille? Non. La première pièce, j'ai gagné au hockey. Mon père qui m'a donné ça après que j'ai compté mon premier but chez Pee-Wee. Tes impressions du camp d'entraînement? Je suis là pour me tailler une place. Marc! On va voir ce que je suis capable de faire. Hey, Marc, attends-moi! Marc! Je pense que vous serez très heureuses ensemble. Ça change pas. Une mère française, une roommate française. Ah, et si un jour j'ai ma nouvelle boutique, tu nous auras sur le dos toutes les deux. Marie-Lou dessinera mes collections et toi, tu feras le marketing. On est toujours comme ça, ta mère. Le pire, c'est que tout ce qu'elle dit est capable de le faire. Ah oui? Je suis bien déterminée à vous faire réussir autant que les garçons. On devrait peut-être se prendre un agent, nous aussi. Oui? Tu veux que j'en parle à Luc? Tu lui diras de prendre des bonnes assurances sur ses protégés. Pourquoi? As-tu peur pour ton Denis? Ben, il a déjà une épaule à moitié arrachée. Ah bon? Et Pierre? Lui, il est encore tout d'un morceau. Mais c'est dans la tête que ça va pas. Ça marche plus, là, Pierre. C'est pas parce que tu fais le grand entraînement du National que tu peux plus m'embrasser. As-tu fini de me faire la leçon comme une maîtresse d'école? Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux.
Qu'est-ce que ça te donne de te ronger par en dedans? Regarde, Denis, il y a une épaule à moitié arrachée, mais ça l'empêche pas d'être de bonne humeur. Comment ça? Mais d'après Suzy, c'est assez grave. Denis puis moi, c'est deux affaires. On va aller prendre de l'air. Tatoué patin dans le milieu de la place? Moi, il y allait là. C'est quoi ton nom? Lambert. Pierre Lambert. Ben, m'a dit une affaire, Lambert. Si jamais tu restes avec nous autres, là, hein, ramasse tes patins. Puis oublie pas le soigneur dans tes prières. Comme ça, t'auras jamais de trouble. Hey! Tu fais là, toi? Ah ouais, sors les chutes, là. Hein? Sors les chutes. C'est moi le boss, dedans. Ah ouais? C'est toi le boss? Nouveau, ça? T'as le montré, moi, qui c'est qui est boss. Ah ouais, là! Ah ouais, là! Ah ouais, là! Ah ouais, ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Reviens plus jamais! Tu veux devenir un bon joueur de hockey? Oui, le meilleur. Reste pas pied ses pieds par personne. Lui, le coach, le gérant, ton père, ta mère, le bon Dieu, personne. Ça a marché! Hey! Si t'es pas là de faire ce qu'on te dit, sors de site! Ben. Out! Enfin, toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Merci. Il veut me casser. Mais il m'aura pas. C'est pas toi qui as été un peu raide? Hey, les gars, je veux pas que ça recommence comme l'année passée, hein? Voyageurs entre Québec et les clubs écoles, j'en veux plus. C'est simple, on n'a rien qu'à choisir les bons.
Tiens, Basinet, trop falluette. Bon, OK. On descend à Basinet, on garde Patterson. Trop mou. Ben, vas-y, redresse la colonne. Non, le redressage de colonne, tu l'as toujours dit, c'est dans les mineurs que ça va se faire. Patterson, on le descend aussi. On descend à Patterson. Chapdelaine. On descend à Chapdelaine. Il reste deux noms, Lambert et Mercure. Les gars, décidez-vous, je commence à avoir faim. La même chose pour moi, mais seulement un cheese puis un grand coke. C'est dur en maudit pas savoir où tu t'en vas. Penses-tu que je le sais, moi? T'as rien qu'à t'en venir avec moi? Faut regarder la réalité en face, Pierre. Tu sais même pas où tu vas jouer. Puis moi, mon père est gravement malade, tu le sais. Je peux pas m'embarquer tout de suite. Penses-tu que si je m'étais pas embarqué, je serais rendu où que je suis? En tout cas, moi, je pars demain. De toute façon, mes vacances sont finies. C'est ça. Retourne donc vendre des bas culottes. Tiens, les amoureux, avez-vous une petite place pour nous autres? Ça te fait rien, on aimerait mieux manger tous les deux tout seul. Correct. Mangez tout seul. Il vient probablement d'apprendre qu'il envoie des mineurs. Excuse-moi, Gino. Je voulais pas te faire de peine. C'est pas à toi que j'en veux. Lambert? Un caractère de cochon. Mais j'haïs pas ça. Peut-être qu'ils l'ont tanné dans les mineurs. Est-ce que... Mercure, je le lâcherai dans Fosolia. Il y a du chien, il y a le sens du jeu, il patine. Lambert? Mercure? Là, je vais t'envoyer un mineur. Crabe de laine. C'est pas de patin. Martin peut patiner avec une douzaine d'eux dans ses pots. Alexander, un colandaire, ça n'a pas de problème.
T'avais pas besoin de faire ça. Guilbeault venait de nous l'annoncer. Tu fais le club.